Je m'appelle Sabina Lang. Et moi, je suis Daniel Bowman. On travaille ensemble depuis 28 ans. Le titre Beautiful View part de la potentielle de l'œuvre, le vue qu'on pourrait avoir si on aurait la chance de s'installer sur cette œuvre. Normalement, ici, il n'y a que des voitures, des bateaux. C'est une carrosserie qui est 200 mètres de notre atelier. Et on se connaît, ils savent exactement qu'est-ce qu'on veut et on est proches, on peut venir voir comment c'est fait et discuter avec eux. On n'a pas voulu travailler avec des chaises standards, et c'était vraiment un élément de l'offre. Et à la fin, le dessin était tout fait par nous. En collaboration avec la fonderie, on a trouvé la solution pour le produire dans cette forme et dans cette qualité. Et si on est obligé de choisir une couleur, c'est toujours très très difficile. Il a plein de verre déjà sur les arbres. Toutes les terrasses sont vertes, alors il se cache dans l'environnement de la terrasse. C'était important que le mât est construit d'un seul bloc. Et de là, il était nécessaire de trouver un atelier métallique le plus proche possible, parce que de transporter un mât de 24 mètres de longueur, c'est pas facile. Maintenant, l'offre installée, ça me plaît beaucoup de te le voir ici installé. Ben, dans le processus de réalisation de l'offre, on a une très claire idée comment il va voir, mais il y a toujours aussi une différence. Le moment où il est là, la présence, le volume, aussi les dimensions, c'est toujours le surpris du montage. Les chaises, ils vont être bien visibles. Il se perd dans le ciel où il a une bonne présence. Ce sont des choses qu'on peut à la fin seulement vérifier le moment où il est installé. On voit que qu'ils ont une dimension humaine. Je pense que les gens aussi vont toujours ils vont se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. Ils vont aussi se poser la question. On pourrait s'y installer. Qui va se installer? Pourquoi 4 chaises? Alors, ça va leur motiver de créer leur propre histoire autour de l'œuvre. C'est une place publique, c'est la place un petit peu du quartier. Alors, les gens vont venir s'installer. À un moment où il n'y a pas plus de place pour s'installer, ils vont regarder où on peut s'installer. Ils vont avoir toujours 4 chaises libres sur cette place. L'archéologue qui va y venir dans 1000 ans, ils vont y venir, ils vont sortir cette sculpture de la terre, ils vont se poser la question, quel était le sens de cet objet? Ils vont sûrement avoir des très jolies théories sur la civilisation de notre époque.